tout le monde, c'est Auron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur la Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor pour le deuxième épisode. On s'était arrêté, on avait découvert un peu le début du jeu, un peu l'histoire, un peu nos pouvoirs, et on avait été tué, décapité, je ne me rappelle plus, mais en tout cas on l'avait tué. Un des commandants. Je me suis un peu baladé après cette vidéo pour voir un peu comment récupérer des informations sur les commandants, et je me suis dit que c'était... En fait, tout simple, que ce soit le mob, que ce soit un vieux soldat, un vieux archer ou un commandant, dès qu'on essaie de récupérer des infos sur lui, automatiquement, on peut savoir, on peut sélectionner un commandant au pif et il va nous donner sa position. Je trouve ça un peu con, puisque au final, on prend n'importe quel mob, on sait avoir des informations sur tous les commandants qu'il faut. Bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer les missions principales. Donc mission principale, c'est tout ce qui est entouré en jaune. Et moi je suis où? Ici ça doit être un boss à tuer. Je vais faire celui-là là-bas. J'ai l'impression que c'est un que j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison. Et aussi, une autre chose à savoir, c'est que si on meurt, donc si on se fait tuer par soit un des commandants ou un des mobs, par exemple, si c'est un commandant, le commandant en question, tout simplement, gagne, on va dire, une position dans la hiérarchie et gagne en... aussi en level, donc la prochaine fois qu'on aura le tuer, tu deviendras forcément plus fort et aura peut-être d'autres capacités. Les capacités, c'est pareil, on avait essayé de les trouver, on peut essayer de récupérer des informations par rapport aux personnes qu'on tue, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Le seul souci, comme je vous ai dit, c'est que qu'on tue n'importe quel mob. Putain, ça m'a foutu une de ces vues bizarres d'un coup. Waouh. Putain, y a un esclave qui essaie de se faire la malle. Bref, c'est pas grave. On va aller lancer la mission. Hop, RB, commencer la mission. Alors, vous avez attiré l'attention d'une mystérieuse créature. Ah, c'est Gollum! C'est vrai, on l'avait croisé dans la fin de la vidéo. Je me demande quel genre de rongeur se cache dans l'ombre. Quelque chose de très puissant a laissé sa marque sur lui. C'est ce que je ressens. Il a peut-être des réponses. C'est l'anneau, mon précieux. C'est possible. On a intérêt à le trouver. Ça ne devrait pas être trop difficile. Suivez les traces. Ah, ça va, c'est pas très compliqué. Laissez mon copain tranquille, motherfucker. Merde, le gars. Yo, Geronimo! Je sais plus les touches. Regardez, je vais vous montrer. Alors, non, je vais pas vous montrer maintenant parce que j'ai tué. Ouais, tu es libéré, je sais. C'est bien. Ok, bon, en fait, c'était de l'autre côté. Je vais vous montrer après, comme quoi je disais, sur n'importe quel mob on peut récupérer des infos sur les commandants, que ce soit leur position ou tout simplement leur point faible et point fort. Bon, je suis en train de tourner en rond moi par contre. Putain, on peut voir carrément ces traces quoi. On se casse. On voit ses petits pieds. Normalement on me voit pas. What the fuck? Oh.
Bim, t'es mort. C'est de pas se faire voir. Tant pis, on rush au milieu, on est des fous. Wouh. Ah merde, l'objectif secondaire c'était de libérer les esclaves. Bon, tant pis. Moi je rush. Ah, on commence à avoir des petits papillons. Ah non, c'est pas des papillons, c'est des chauves-souris. Reste TV. Brah. Cassez-vous. What? Il court partout lui. Ah tiens, il y a un truc là. Ramasser. Qu'est-ce que ça court? C'est un médaillon. Bonjour! Fouille à la caverne. Bim, bitch! Reste ici, motherfucker bitch! Tiens, je peux ramasser des trucs. Tiens, je peux ramasser. Oh là là! Oh là là, il y a plein de trucs rouges. J'aime pas trop ça. Ah, tiens, il y avait un accord pour esquiver les lances. D'accord. Peut-être le faire sur le dernier aussi. Hein. Je vais essayer de piquer des informations. What? Bon, on va essayer de faire le. Comment on fait déjà? D'accord. Merde. Crève, bitch! Oh merde, j'en suis en train de crever moi. Je suis en train de crever, on récupère des flèches et on se casse. Oh, on peut pas aller par là-bas, on peut pas aller par là-bas, on peut pas aller par là-bas, je vois plus rien, c'est pas bon, c'est pas bon. What? Voilà, bim. Bon, j'ai pas pu le faire, bon. Franchement, oui, c'est juré. Je vous promets de servir le maître de lumière. Le maître, c'est
fais pas confiance. Il nous sera utile. Tu ne veux pas savoir qui je suis. D'accord, je suis en train de crever. On s'en bat les steaks de l'XP. Gollum, on en apprend aussi sur Gollum, mais ouais, mais on s'en fout. Bon, je crois qu'à regarder les films, on connaît à peu près, hein. Il me faut de la vie. Alors, j'ai une autre mission par là-bas. Alors, position de la cible, périphérique de truc bidule machin. Oh, et des ennemis. Yo. Crève, bitch. Alors lui, je vais essayer de récupérer des informations sur l'autre. Oh, attends, parce qu'il reste encore deux. Toi, tu crèves, tu fais pas chier. Ils vont crever, ouais. Non. Ah. Alors, c'est quoi interroger? Oh. Voilà. Alors, vous allez voir. On va chercher des renseignements. Ce qu'on peut faire donc, c'est que je peux aller voir logiquement sur les boss. Voilà, je peux aller voir ses forces et faiblesses. Donc ça, y a pas de souci. On peut aller voir les forces et faiblesses des, on va dire des gros commandants ou les cibles que je dois tuer. Donc là, les mortes, on s'en fout. Et donc, sur tous les commandants qui me restent, quel que soit le mob qu'on tue, hop, on peut trouver un commandant. Et ça nous donne les positions. Je trouve ça un peu con. Ils auraient plutôt dû faire ça sur vraiment des plus gros mobs. Ça aurait été plus intéressant, on va dire, parce que là, on peut tout découvrir sans même chercher, quoi. Tiens, dans le dos, bitch. Oh, décapitation de la tête! Dégage toi. Voilà, hop, regardez. Je peux le faire encore sur lui. Merde. Hop. Je vais faire interroger. On va faire renseignement. Et là, toujours pareil, que ce soit un mob pourri ou pas. Hop. On trouve le prochain commandant. Ou la prochaine cible à tuer. Un peu bidon personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais la touche de forge proche, hop, on va aller là-bas, on va faire une petite halte. J'espère qu'il n'y a pas de boss par ici. Bon, quoi que, de toute façon, même s'il y a un boss, je lui pète la gueule, hein, j'aurais un pété, moi. Je suis un fifou dans la night. Oh, les reflets de soleil, yo, bim. Ça, c'est de la maîtrise de l'épée, ça. Donc, on va monter en haut. Bon, c'est sûr qu'il monte plus vite que dans Assassin's Creed. C'est la maîtrise de soi. Ouais, bah, on va aller là-bas. Hein. Oh, dans les couilles, ça va faire mal. Allez, crève, bitch. Non, je veux le finir, moi. Voilà.
Oh le pauvre. Moi je les laisse dans leur merde, moi je me casse. Je vais aller faire mon petit, ma petite mission tranquillos. Oh pauvre toutou, tu veux que je te libère? D'accord. D'accord, mais moi je me casse maintenant. Non, 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 je me casse. Moi je suis ton ami. Putain, je vais me faire zigouiller à cause d'un clé parce que j'ai délivré quoi. Cours, Forest, cours. Oh putain, il y en a deux. Je vous connais plus, je me casse. Saute. On va prendre le... Non, pas. Ils sont où, sont où? Oh, je les ai largués. Oulala. Alors là, ici, on arrive dans une structure. Ouais, mais moi, je suis un fifou. Je fonce dans le tas. Bonjour. Tiens, on va récupérer ton crâne. Oh bah ouais, on va carrément le récupérer. Oh, c'est beau par chez vous, dis donc. Allez, bim! Ça, c'est de la contre-attaque! Bim! Bim! Va récupérer ta jambe! Ah non, il n'a pas coupé. Attends. Allez. Oh, cette dé... Oh là là. Qu'est-ce que tu veux toi? Dégage. What? Allez, retournement de situation. Cette déchetterie quoi. Là, je vais me faire tout le camp quoi. Allez! Ah, par contre, faut que je récupère des informations sur lui, quoi. Je me casse. Putain, je suis carrément dans une forteresse quoi, j'ai pas peur moi. Je sais pas, j'ai une mission dedans, moi j'y vais hein. Moi j'ai... Je sais pas, un petit froussard hein. Est-ce qu'il voulait déclencher là? Tirer dedans. Non, 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 non.
te voyant ici, ça me rappelle votre médiocrité à vous. Ah bah voilà, commandant, on va le péter sa gueule, le fort, tu vas voir s'il est fort. Péter. Violet, moi. Haine de la défaite. Tu vas pas t'en sortir comme ça, bitch. T'as foncé par lance de merde. Non, je suis mort. Non, je suis pas mort. Hop. Crevez. Crève, bitch! Putain, va pas crever cet enfoiré! Allez, y'a plus de vie quoi! Allez, dégage! Voilà, putain, enfin quoi. Là, c'est une brin de ses propres potes. Il s'est pris une lance dans le cul. Allez, là, ils vont tous se barrer parce que j'ai tué leur chef. Oh, j'ai fait un doublé. Non, non. Normalement, c'est drainé, voilà. Putain. Oh, bâtard. Ah ouais, c'est moi, il y a ça. Oh, ça, sérieusement. Allez, bim, dans ta gueule. Je vais drainer sa vie, il va rien comprendre. Hop, voilà, hop, on en parle. C'est qui me tire dessus, là? Dégage, toi. Ah, c'est lui aussi qui me faisait mal, cet enfoiré, là. Par où ça va par contre? Par où on s'en va? Non, vous m'avez pas vu, c'est pas vrai, je me casse. Oh, tiens. Liquide facile. Tirer dans les appâts suspendus. On va tirer les caragors. D'accord. On s'en bat les steaks, nous on va faire une mission. Pourquoi couper les cordes? Et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts? Vas-y, espèce de chac, fais-le!
Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête. Mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Mais Ratbag peut t'en dire plus sur les orques. Ratbag peut faire marcher ton plan. J'ai pas de plan, c'est ça le problème. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Pourquoi délivrer quoi? Nouveau renseignement. Goroth, le maître Karagor. Putain, il est pouvoir niveau 8 quoi. Position de la cible, mission principale, les capitaines et le grand des renseignements sur la cible si vous les interrogez. Taco. Ouais, ça je sais. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais apparemment ça marche sur tout le monde quoi. Mais je pense qu'on a plus de renseignements si on prend sur des vétérans ou des capitaines. Je les traquerai. Ah, comment? Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Ratbag te montrera le chemin. Tu aides Ratbag. Ratbag t'aide. Ce marché me semble pas bon, quoi. Évite de me faire regretter mon choix. Merveilleux! Il n'y a pas de temps à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine. Et de quelques Karagor. Viens avec moi, Rodeur. Je sens pas du tout cette connerie, mais je sais pas pourquoi. Hein. Bon, je vais reprendre de la vie. Je sais pas si ça sert à grand chose de prendre à chaque fois des trucs, mais je le fais quand même. Ah ouais, d'ailleurs j'ai des compétences. J'ai vu un truc cool la fois dernière, chevaucher de Karagor. On peut monter. Comme ça je peux remonter sur eux. Ce qui est plutôt pas mal. Les attributs. Des attributs. Bah je peux rien faire. Et ça c'est les missions, on s'en bat les steaks. Hop. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va nous emmener, lui. Décapitation! Attends-moi, copain. Gardez Ragbag en vie. Alors, les défenseurs bloquent les attaques frontales, vous devez les frapper par l'arrière. D'accord. Putain, je vais faire quoi là? Ratbag subit des dégâts. Ouais, bah en même temps, c'est une noob. Laisse mon copain tranquille, bitch. Allez, bim! Combo de la mort qui tue!
Ouais. Il est où? Bah le boss est parti où lui? C'est barré, c'est fait la malle et tout? Ah d'accord. Ça c'est des anciens trucs, on les voit pas tout reconstruit. Si on n'est pas un petit fantôme. Forteresse. C'est pas d'où je viens ça? Chargez Garrod sur déclenchant l'alerte. Ouais. Why not? Généralement des missions comme ça j'aime pas beaucoup moi. Let's go, cours. Ça, ça pue, ça, par contre. Ah, j'ai foutu le bordel. Ah, oh, c'est bordel. Putain, mais descend. Hop. Putain, mais rentre. Tiens, tu vas me donner des renseignements, je connais. Tiens, il manque ça tout à droite là. Hop, voilà. J'ai déjà mon idée pour les tuer. Je sais pas si vous avez vu, juste à gauche une cage. Ça va me faire plaisir. Hop, ça fait diversion. Hop, autre diversion. Moi je suis ton ami. Yes. Gorodre. J'ai pété sa gueule. Marquez la cible.
Bah j'en ai déjà libéré deux, c'est passé. Ah non, effectivement, c'était passé. Il y a des caragors partout. Crève, bitch. Tiens, moi je vais finir comme ça, salope. Hop, donne-moi des renseignements. Sur le dernier, tiens, hop, voilà. Putain, c'est qu'il y en a une armée derrière, hein, quand même. Voilà, comment finir une mission simplement en ayant des trucs et tout. Rapport de combat, à la fin des luttes de pouvoir, les rapports de combat résumeront les événements, truc blabla, truc blabla. Duel. Ah d'accord, même entre eux ils font des duels pour gagner de la hiérarchie et tout quoi, normal. Marche bizarre ce mec. Putain, laisse-moi tirer, bordel. Bon. Et maintenant? Pouvoir plus 40, ouais, je vois pas des records moi. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Bon, on va courir plus vite, puis voilà. Des attributs, j'ai que dalle. Et bah, on s'en bat les steaks. What? Oh, bâtard, on a esquivé. Tiens, ça t'en pourra bloquer comme si t'as une merde. Enfin bref, je vais essayer de me barrer un peu de là. Et nous, malheureusement, c'est ici qu'on va se quitter déjà. J'ai envie de dire, ça passe tellement vite. J'espère en tout cas que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook. Tous les liens sont dans la description. Le Twitter aussi, je l'ai oublié. Moi, je vous retrouve très bientôt pour le troisième épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Shut up, 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 shut up